Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur l'actu du jour. Donc c'est la tempête Ciara qui a commencé à toucher la France aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a touché exactement la France ou si elle a touché les côtes européennes, ça c'est sûr et certain. Mais je vais voir puisque c'est prévu aussi pour demain. Et notamment, je sais que chez moi, personnellement, on est en alerte rouge, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, voir un petit peu ce qu'il en ressort avec un petit tirage. Ah, quand même. Il y a quand même quelques dégâts qui vont être causés, hein. Ça, c'est une chose sûre. Alors, la première carte du pape, celle-ci, nous indique à travers ce tirage que cette tempête va bien avoir les conséquences sur de grands nombres de territoires français, sur de nombreux départements, hein. Même peut-être un peu plus que ce qui a été dit. Après, sur les zones qui n'ont pas été dites, il y aura pas la tempête en elle-même, mais le mauvais temps, les pluies fortes seront présentes. On a l'hésitation par rapport aux gens. Donc, quand même, quelques craintes sur des personnes qui vont ne pas vouloir sortir, en fait. Voilà. Après, est-ce qu'il y a vraiment des établissements, des choses comme ça qui vont être fermées? Je pense pas, du moins ça ressort pas, peut-être c'est à voir demain, mais en attendant on n'est pas trop au courant en fait. On a le dégât matériel, sûr et certain le dégât matériel, puisque la maison de Dieu ressort dans le tirage. Donc dégâts matériels sûr et certain, donc ça peut être les arbres cassés, les routes bloquées. Voilà, donc un dégât matériel assez important, même par rapport à certains logements, je pense, et les inondations, ça on en aura sûr et certain. La carte de la mort qui ressort, donc peut-être quelques blessés, mais rien de très très grave, mais peut-être quelques blessés notamment, puisque voilà, la faucheuse est ressortie. Ouais, c'est vraiment après sur le dégât matériel, dégâts aussi territorial, c'est-à-dire sur les champs. Fruits, légumes, les agriculteurs, tout ça, ça peut leur faire des dégâts sur ça aussi, notamment inonder leur terrain et voilà, retarder leur récolte. Ça ressort aussi à travers ce tirage. Voilà, mais après, est-ce que c'est aussi terrible que ce que les infos nous disent? Je ne peux pas le confirmer cette fois-ci. Je vois tout de même des choses très négatives à travers le tirage, mais pas des choses. Comme ils disent, c'est une tempête d'une violence absolue et tout ça, c'est toujours, voilà, c'est un peu abusé, mais beaucoup de dégâts, inondations, matériel, tout ça, il y en a, ça c'est une chose qui est sûre et certaine, il y en aura entre demain, peut-être qu'il y en a déjà eu aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder aux infos, peut-être mardi même, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, vous serez les bienvenus. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite.